pas de cadeau entre ces deux équipes, une rencontre pimentée en perspective. C'est bien, dans ce stade, on sent vraiment vibrer la foule autour du terrain. Il y a beaucoup d'espoir sur cette rencontre. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Long dégagement en avant. Ballon envoyé en hauteur. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Ils peuvent construire quelque chose. Bien joué, ça peut faire un contre. Bien vu. La défense est prise à revers. Pour la défense, il s'agit là d'une remise en jeu dangereuse. Le goal la bloque. Il est dans la surface. Un bon centre permettrait d'inscrire le premier but de ce match. Il le touche de la tête. Pas de problème pour le gardien. Keita. Il peut peut-être centrer après ce débordement. Très bonne inspiration sur cette passe. Il est hors jeu, il ne faut pas oublier de revenir. Ils ont passé les lignes arrières. Le ballon en profondeur. Le jeu est brutal, coup franc. L'arbitre va sortir un carton jaune, c'est justifié. Et le joueur a de la chance car il pouvait sortir un rouge. Il lui a piqué le ballon. Allez, ça doit aller au fond. Sans danger pour le goal. Keita. Ça ne fonctionne pas. Keita. Pour Timoshiuk. Et Timoshiuk. Timoshiuk. Il reprend le ballon maintenant. Partir en contre, c'est toujours payant. Il passe en retrait au gardien. Il est dégagé. Cette passe peut surprendre la défense. Il tire. Et but. Ils sont bien rentrés dans ce match. C'est toujours important de marquer au début. Si tu laisses libre de tout marquage, le passeur et le buteur, voilà ce qui risque d'arriver. Une première lame ajuste l'ouverture et la deuxième marque le but. Ça, c'est tranchant.
Ils ont pris de l'avance 1-0. Ah là, ça va rassurer l'équipe et réjouir l'entraîneur. Ayant fait la différence, je ne serais pas surpris qu'il continue d'attaquer et d'essayer d'en marquer un second. C'est le bon moment. Le ballon circule bien, il y a de bonnes combinaisons. Tout ça, c'est bien joli, mais il faut tout de suite marquer. Et Timoshchiouk. Le ballon circule, il n'y a pas de problème, mais il faut concrétiser ses mouvements. Bien servi en profondeur par son partenaire. Tranquille pour le gardien. Duel remporté par le défenseur. 15 minutes de jeu à l'horloge. Bien donné. Faute, il faut faire attention. Carton jaune, à mon avis, c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron. Quinze minutes se sont écoulées. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Aucune difficulté pour le goal. Très bon de la tête. Ils reprennent le ballon. Nouvelle occasion de centrer. Il essaie de marquer. Le ballon a été dévié par le défenseur. En plein cœur de la surface. Voici un nouveau corner. C'est un tir brossé. Pas de doute, ils sentent la pression maintenant. Le ballon est travaillé vers le but. Keïta. Ils se remettent à attaquer et ils ont bien raison, il faut vraiment tenter quelque chose pour rester dans le match. Coup franc accordé. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Bon retournement de situation, il a le ballon. Ils conservent le ballon, ils sont maîtres du jeu. Il veut marquer. Ce n'est pas fini. Oui, les filets tremblent à nouveau. Que c'est bien joué de la part de cette équipe. Bravo. C'est étonnant, il avait tout le temps de capter ce ballon et il le relâche juste devant un attaquant qui n'a plus qu'à la mettre au fond. C'est donc sa deuxième réalisation personnelle. Les défenseurs en face ne savent pas comment le prendre. Une avance de 2 buts maintenant. Ils n'ont pas manqué de précision et de talent devant le but. Et les supporters, on sent qu'ils apprécient. Mais il ne faut pas qu'ils aient trop de confiance non plus. Parce qu'un seul but de l'adversaire pourrait changer complètement les données. Le portier l'a attrapé. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. Faute dangereuse et coup franc concédé. La sanction est logique. Carton jaune selon l'arbitre, mais franchement, il n'y a rien à dire. Il l'emporte dans ses duels aériens. Ouverture.
Au niveau de la stratégie défensive, c'est bien joué, mais évidemment, les supporters aimeraient en voir plus. Il décoche un tir. On est vraiment trop loin du poteau droit. Oh, malgré son pied fada, il a quand même raté le cadre de peu. Encore une belle occasion. Écarté de la tête par le défenseur. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé, le ballon part dans tous les sens. C'est une véritable passe à 10, un cours de football. Les défenseurs sont totalement désemparés. Encore une occasion de centrer. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Le goal sort et capte le ballon. Timoshiuk. C'est imprécis, manque de concentration. Ah ouais, là il y a le gardien qui est en train de remettre un petit peu en place les défenseurs. Il laisse trop jouer, donc il y a des frappes qui arrivent trop souvent en ce moment. Le décalage est fait. Centre détourné. Il arrive devant le nez du gardien. Encore une occasion de gâcher car le tir n'est pas cadré. Il reste un quart d'heure à jouer avant la pause. Excellente passe en profondeur. Le ballon n'est pas correctement dégagé. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Grosse erreur et coup franc. C'est un carton jaune et il est justifié car vraiment la faute est flagrante. Désormais, il va devoir faire attention. Qui va le tirer ? Minutes à l'horloge dans la première mi-temps. Quelle belle demi-volée! Ah là, il n'a pas de chance. C'est si près du but. Tu frappes le poteau, des fois ça rentre. Là, c'est pas rentré. La défense parvient tant bien que mal à écarter. Le joueur frappe. C'est très loin du poteau droit. Ah, je crois qu'on l'a laissé un petit peu trop jouer là. Il a réussi à frapper. La défense aurait dû monter sur lui un peu plus tôt. Thank you.
Il a osé. Il peut marquer un but. Oh, c'est encore au fond. Il mène 3-0 au cours de cette première mi-temps. Là, on a vraiment senti que le ballon lui avait échappé de nez. Oh, il a mis les cartes de vaisselle de sa femme. C'est pas possible. Il a offert un cadeau à Nord à l'adversaire. 3 buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. À 3-0, ils n'ont même pas l'air de vouloir se relâcher. Ah là, ils sont complètement en train de se balader. Des occasions, en veux-tu, en voilà. Là, ils semblent concentrés, les affaires sont faites. Le seul danger, c'est d'être trop confiant. Avec cette équipe-là, à mon avis, ça risque pas d'arriver. L'entraîneur doit être très mécontent de son gardien, mais heureusement, la défense a très bien réagi sur le coup. Le danger est écarté. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Et là, c'est vraiment dommage. C'est le centre parfait. Il suffit simplement à l'attaquant d'avoir le bon timing et juste de la toucher. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Ce score les a complètement libérés et maintenant ils font tourner le ballon. Arrêt du gardien. Ils peuvent construire quelque chose. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Bonne interception, on peut relancer. Le ballon est pour l'autre équipe. Faute inadmissible sanctionnée par l'arbitre. Oh, il est expulsé. C'est son deuxième avertissement depuis le début de la rencontre. 2 tacles trop appuyés et c'est la catastrophe pour lui et son équipe. L'agressivité n'est pas bonne, coup franc. Il veut marquer. But, j'en crois pas mes yeux, c'est le 4e et on est encore en première mi-temps. Dans la surface, ce genre de joueur, il se jette sur tous les ballons comme mort de faim. C'est un renard des surfaces. Quelle qualité d'attaque, c'est vraiment impressionnant. Encore une occasion de centrer. Oh là là, une occasion en or. Le couloir, c'est souvent la bonne solution. Mauvaise relance. Une solide défense ici.
aura une minute d'arrêt de jeu. La faute est claire, évidemment. Il pourrait aussi l'envoyer dans la surface de réparation. Lui, au moins, il tente. Coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Là, ils donnent une véritable leçon de football jusqu'ici. Ils utilisent à merveille tous les espaces du terrain, mettant constamment en difficulté. Nous voilà repartis pour la deuxième période. 45 minutes d'un jeu ouvert et offensif, espérons-le. Le ballon a été touché par un défenseur, corner. C'est très haut. Peuvent construire quelque chose. Ils ne trouvent pas le moyen de percer cette défense. C'est une frappe. Tir à ras de terre capté par le gardien. N'a peur de rien. C'est beaucoup trop loin du poteau droit. Là, il s'est baladé pour trouver l'espace. Hein. Il a trop précipité son shoot. Et c'est trop brutal pour l'arbitre, coup franc. Encore une belle occasion. Il se défend bien. Dans la surface de réparation. Et c'est pas cadré, mais c'est pas si mal. Et dans ce genre de centre, fort devant le but comme ça, il manque toujours en rien pour le mettre au fond. Il aurait fallu qu'il chausse d'une pointure de plus et c'était bon. Ils peuvent construire quelque chose. Allez, il y est presque. C'est bien de la part du défenseur. Encore une occasion de centrer. Le ballon passe loin du poteau gauche. Ça, c'est vraiment la frappe ratée, alors je pense qu'il avait le temps. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Encore une belle occasion. Oh, c'est trop beau, il peut marquer. Place maintenant une touche. Bonne réaction de la défense. La défense a récupéré le ballon. Nouvelle occasion de centrer.
C'est mal joué pour la relance. C'est bien d'avoir capté le ballon, mais il est en train de se mettre en difficulté. Coup franc accordé. Ça ne va pas être facile d'ici. Cela manque de précision pour inquiéter le gardien. Et si la défense ne fait pas un pressing plus haut sur les attaquants, je peux vous dire qu'il va y avoir des tirs qui vont partir de tous les coins du stade. Non, le ballon a été intercepté. La balle n'est pas passée. Quelle belle occasion! C'est beaucoup trop dévissé à gauche. Ah, il n'a pas de chance. Et s'il avait réussi sa frappe, on avait vraiment senti que le gardien était à la pêche. Bon réflexe, bien joué. Il manque vraiment de coordination. Il conserve la possession du ballon. C'est pas si mal, mais ça passe à côté. Encore une belle occasion. Là, il y aura corner. En plein milieu de la surface de réparation. Bon ballon. Pas de repos pour la défense. Ils obtiennent un nouveau corner. En plein cœur de la surface. Oulala, relance calamiteuse. C'est malin. Il est dégagé. Défense vigoureuse ici. Ils peuvent construire quelque chose. Le ballon sort en touche. Encore une occasion de centrer. Et il y a faute, c'est sûr, coup franc. Non, le ballon a été intercepté. C'est sûrement la dernière action du match. C'est terminé, c'est l'heure de regagner les vestiaires.
les défenseurs adverses ont totalement perdu le nord. Il faut dire qu'aujourd'hui, les attaquants étaient particulièrement en forme.